Alors, on est reparti pour la suite. La dernière nuit de Batman, apparemment. Ok, il faut apprendre les criminels puis rechercher Gotham, mais après, il faut lancer Night. Si Batman est Bruce Wayne. Mais parle pas, toi, tu m'embêtes. Jouer le rôle de Bruce Wayne pendant tout ce temps. Il est con, lui, hein. C'est qui Red Hood? Bah, c'est Jason Todd, Red Hood. Non, mais oh. Alors, du coup, qu'on fait? Déjà, on voit que le portail est à 100%. Ok. Ouais. Encore. D'accord. D'accord. Alors, donc là, il manque deux pompiers. Le masque, c'est Jason Todd, c'est le deuxième Robin. C'est le chevalier d'Arkham, en gros. Là, il manque deux ou trois bombes. C'est un peu chiant. L'homme mystère, bon, pas vous le cacher, mais l'homme mystère, ça va être trop long pour le faire. Donc, je le ferai hors live, je pense. Et ça, il en manque un. Ouais, je sais pas où c'est. On peut faire ça, mais ça va être chiant, les gars. Hein. Les postes de la milice. Ça va être chiant, j'ai aucune info. Je sais pas comment on a des infos dans le jeu. En fait, le truc, c'est que il y a marqué que c'est à Miagani Island. Super, tu vois, tu te dis, ouais, trop bien. Miagani Island, c'est où? C'est... ici. Et le problème... Sinon, on peut aller vers là, je pense. Vas-y, on va voir. Hein. Ça va être encore plus marrant de cogner Batman en sachant que c'est le petit Bruce sous le masque. Allez. Du coup, est-ce que quand je vais combattre des criminels, est-ce qu'ils vont m'appeler Bruce ou Batman? Là, là. Ils doivent flipper à mort, mon gars. Tous ceux qui connaissent Bruce Wayne viennent d'entrer dans la ligne de mire. Pas que personne connaît Bruce Wayne, et ça c'est beau. Là-bas il y a un truc rouge, c'est pas un camp. J'ai trouvé hein, le camp, mais. C'est presque impossible en fait, hein. Réfléchis. Là, ici, il y a une mission. Vous voulez qu'on fasse cette mission-là? Ici, il y a une mission aussi. Il faut la faire, si vous voulez. C'est la traque. Ça, là. J'ai une mauvaise nouvelle, monsieur. Des membres de la Ligue des Assassins ont été aperçus sur les toits de Miagani Island. Ah, donc il y a Nissa Al Ghul, peut-être? Je vais mener l'enquête. Ninja ouf malade. Ouais, je pense que c'est Nissa Al Ghul, il reste que elle. Deux cadavres. Ou Deathstroke, mais. Il faut du cran pour tuer deux assassins de la Ligue. Ah non, ils ont tué les assassins de la Ligue, carrément. Il y a quelqu'un qui tue les assassins de la Ligue, ok. Alors, je vois pas du tout qui c'est. Des blessures en forme d'entaille causées par une lame longue et aiguisée. Comme ça. Il y a tous les Robins dans le jeu. Il y en a 3 dans le jeu, donc pas tous. Il en manque que 1 parce qu'il est pas né. Ou il est né mais on le voit pas. Ah, il est né du coup parce qu'elle est morte. Là, il y a le ghoul. Uniforme différent. Les victimes se battaient entre elles. Battaient entre elles carrément. Et la meuf, elle compte pas, hein, vraiment. Le groupe sanguin ne correspond pas aux autres victimes. Quelqu'un a pris la fuite. Notre fugitif avait une blessure importante. Je devrais chercher sur les autres toits, tâcher de retrouver sa trace. Locate the start of the Assassin Blood Trail. Pourquoi tu parles anglais le jeu tout d'un coup? J'étais un des patients de l'épouvantail à l'asile. Ça me
fait plaisir que Batman l'ait eu. Pas monter là ? On s'en fout de l'épouvantail. C'est pas lui qui donnait les ordres de toute façon. Attendez, je vais recliquer sur la quête, les gars. 28 mètres. Des assassins sur les toits de Gotham. Mais ok, mais. De retour en ville, le séjour sera de courte durée. Trouvé. Ça devrait me donner quelques réponses. Ah ok, j'ai pas compris. Alors. Alfred, les assassins se sont battus entre eux. Je suis sur la piste d'un survivant. Une guerre interne chez la Ligue ? Comment est-ce possible ? Ra's al Ghul est connu pour son intransigeance envers les insoumis. Sa dépouille a disparu après Arkham City. On croyait que la Ligue l'avait ramené à la vie. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Monsieur, si la Ligue a un nouveau chef, voire plusieurs... Il pourrait être encore plus dangereux que Ra's. Et pour moi, c'est peut-être Ra's al Ghul ou Deathstroke, mais Deathstroke, ça m'étonnerait quand même. Là, Deathstroke, on l'a toujours pas arrêté, hein. Il parlait dans le micro, mais on l'a pas arrêté encore. Tu m'énerves, toi. Et il fuit loin le type, hein. Non, il n'y a pas Damian, non. En vrai, c'est peut-être lui qu'on va voir maintenant, hein. Et ça m'étonnerait qu'il tue les assassins. Donc c'est bien une meuf. Donc c'est Ra's al Ghul, ok. Je pense. Non, je vois pas qui c'est. Encore une fois. J'aime pas les portiers là. En fait, ça change quoi que vous sachiez qui je suis en fait, en gros. Ça change rien. Enfin. Alors. Je repasse en détection. Hey, moi aussi j'ai vu mes vieux se faire buter quand j'étais gosse. Je me la joue pas vengeur masqué pour autant. Marque un point le petit là. C'est con là. C'est quoi la pire mort d'ailleurs pour vous ? Les parents de Batman ou les parents de Superman ? Les parents de Batman, en fait, c'est Bruce Wayne, il veut quitter le film avant la fin de mémoire. Du coup, il part avec ses parents dans la ruelle et ils se font braquer par un mec. Et le mec, il tue les parents. Et Superman, sa planète est sur le point d'exploser. Ses parents décident de l'envoyer sur Terre. Ses parents, ils explosent avec la planète. Alors du coup, je sais pas c'est quoi la pire. Je pense que c'est quand même la planète qui explose parce que Batman il a encore sa planète. Superman n'a plus rien. Bon, ça s'arrête là, mais je vais aller où après? C'est pas fini. Oh, non. Ah ok. Par contre, Superman, ok. Oh! On a trouvé le camp. Il est temps de changer de branche. Merci la mission. On le fera après du coup, hein. À part si c'est... Non, il m'a dit pas que le camp faisait partie de la mission. Tout était lié. Mais non, pas ça. Là, la trace s'arrête là. Nightwing et Robin, c'est le même gars, oui, effectivement. Mais ça dépend lequel, hein.
Bon là, il y a trop d'ennemis différents. On va tuer les portiers en premier. Ah oui, il est très chiant. En fait, les briquetteries est chiant, faut faire ça. Arrête, faut changer. Faire ça. Double saut. Arrête, faut faire ça. Voilà le bouffon. Ouais, ok. On est tous d'accord du coup. C'est que c'est Superman la pire mort. Pas la pire mort des parents. Et après, il y a les parents de Flash qui sont très très... C'est compliqué, hein. Tu n'aurais pas dû remettre les pieds à Gotham, Slade. Ça fait des années que j'attends cette revanche. Mais je ne comptais pas faire ça gratuitement. Faut que je remette... On a fini tous les postes de contrôle. Faut que je remette le chaton, là. Alfred, je vais suivre la piste laissée par la Ligue des Assassins. Nul doute que vous trouverez sa destination secrète. Ah. T'es mort, là. C'était Cheetah, MDR. Je me demande si Gordon va continuer, maintenant que son bad copain est démasqué. Mm-hmm. Non. Et pour Flash, j'allais dire... Qui commande la milice maintenant ? Il y avait un truc avec Croix, là. Pour Flash, c'est aussi les parents sont... Enfin, sa mère est morte d'une façon cruelle et son père est en prison pour la meurtre de sa mère qu'il n'a jamais commis aussi. Ça, c'est assez dur aussi. Batman a un tank, c'est de la triche. Ah voilà, on a retrouvé la trace, c'est bon, on peut y aller. Qu'est-ce que... La piste mène dans un conduit... Memorial Hospital. Je dois... Mais j'ai fait l'inverse. Débilus. Souvenez-vous de l'entraînement. Suivez nos ordres. Vous êtes des initiés dont l'acier est encore malléable. Ces combats forgeront vos corps et vos esprits comme des sabres au service de la Ligue. La rébellion est fragile. Et rongé par la dissidence. Vous allez la frapper en plein dans son cœur, perverti. Ils arrivent bientôt. Quand ils seront là, attaquez à mon signal. Pour la Ligue. Pour la Ligue. Pour la Ligue. D'accord. Yo les potes, hein. Enchanté, je m'appelle Batman. Comment allez-vous? Ah, protéger la tête du démon, donc il y a le chef de la ligue qui est ici. Panis Al Ghul, le chef de la ligue là. À part si c'est Ra's al Ghul qui revécu, mais ça m'étonnerait. Bon, par contre.
paraît quand même bizarre, tu vois. Ah, cinématique. Alfred. Bientôt. J'ai besoin de rétablir le courant à Elliott Memorial. Voyons. Il y a un générateur de secours situé à l'extérieur du bâtiment, monsieur. Merci, Alfred. Vraiment sortir du bâtiment là? Ah, on disait aussi. Alors. D'accord, et alors? Oui. Ah. Allô? Bon, j'ai pas compris. J'y ai à pied, c'est ça? Il y a la pied alors. Bizarre non? On peut le faire avec la Batmobile? Ça bug non? Je dois continuer à suivre la piste dans l'hôpital. Ah bah ok. Voir si j'ai remis le courant là, je sais pas. Je retourne, on va voir. J'ai pas trop compris là. Hein. Pas trop compris les potes. Non. Ok. Ok. On sort là. Alfred, je vais suivre la piste laissée par la Ligue des Assassins. Nul doute que vous trouverez sa destination secrète. À quoi de remettre le courant ? Ok, pas compris. Avance! Il est con comme une table, hein? Merci. Ok, donc là on est au niveau inférieur, on est d'accord, on n'est pas au même niveau. Si, je suis au même niveau? Même niveau. Pourquoi ça marche pas? Je vais être là. Je comprends pas. Ici ça s'ouvre. Je vois pas ici. On va descendre. C'est exactement ce que je voulais faire, mais un étage plus haut en fait. Ok. Non, pas là. Bonjour. La tête du démon ne doit jamais revenir à la vie. Qui est Turpie ?
On en reparle après si tu veux. De Corobon. La piste mène à la morgue. Il faut que je trouve un moyen d'y accéder. Avec ton grappin. Pas que ça. Il y a un disjoncteur dans la salle près de la porte. Je peux le pirater à distance ou pas? Donc rien à voir. Le mec pour être aussi fort déjà. C'est que... On va pirater ça. Quoi comme disjoncteur? C'est des fils? Ah faut que j'y aille. Comment j'y vais? Des points logiques. Moi j'arrive à aller. Servir du batarang télécommandé pour ouvrir la porte. Oui, j'ai bien compris, mais comment je fais? Je passe par où en fait? J'ai compris. Dans l'eau peut-être? Ah non. Où qu'il y a une issue? Ah putain, dans le trou là, MDR. Non mais... Dans le trou qui est là. Allô. Ah, il faut l'alimenter à l'électricité avant. Où il y a de l'électricité? Tu vas te électrocuter ou pas en fait? Merci. Alors. Voilà les potes. D'ailleurs, la tyrolienne, on n'a pas beaucoup utilisé dans ce Batman. Hein. C'est vraiment un outil plus exploité. Bonjour madame. Monsieur. Elle est morte. Ah bon. Une hémorragie, je suppose. On dirait qu'elle a voulu appuyer ici. C'est piégé. Ça doit être plus complexe qu'un simple bouton. Je devrais reconstituer ces derniers instants. Ah. Ça faisait longtemps, dis donc. Elle a voulu actionner cet interrupteur avant de succomber à ses blessures. Oui, on pourra en parler après si vous voulez. Dedans. Elle a dû actionner l'interrupteur du bas. Ouais, vous pouvez toujours parler du jeu, hein. On peut parler maintenant si vous voulez. Hein. Là, il se passe pas grand chose. Profitez-en, au pire, on peut en parler maintenant. De Corobon. Parce que là, il se passe rien. Pour l'instant. Et dès qu'il y a une action, je ne parlerai plus du truc. Il y a un mec sur un trône là-bas. Soit c'est Raz, soit c'est Nissa. Pour moi, hein. Après. Il y a un corps, c'est genre un Easter egg. Apparemment non. Et je fais quoi avec ça en fait? Ok, elle a touché là. Ah, faut que je touche moi-même. Interrupteur du haut. Ah ok, j'avais pas compris. Encore raté. Je dois retrouver la bonne séquence pour actionner les boutons. Mais il se fout de ma gueule ou quoi? Elle est en haut ou elle est en bas là? Bon. En haut. Ok, en fait c'est à vous pif, c'est ça?
En bas. Encore raté. Je dois retrouver la bonne séquence pour actionner les boutons. Et en haut. Là, le dernier, c'est celui-là, je pense. Donc le deuxième, c'est d'être celui-là. Et le dernier, c'est celui qui est par terre. Donc c'est logique pour moi. Après, on verra. Voilà, c'est ça. Ok. Je vais cacher ma gueule, les amis, parce que je sens qu'il va y avoir une cinématique, ok? Et comme le raccourci ne marche toujours pas, je le fais à l'avance. Ouais, je vais faire ça en fait. On va me faciliter la vie. Est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas caché? C'est caché. Ok, c'est parti. Talia est morte apparemment, mais ça peut être elle vu qu'il n'y a pas Damian. Donc peut-être qu'elle est vivante. Donc c'était oui. Donc ça peut être Talia et qu'elle n'est pas morte. Puis il n'y a pas Damian Wayne encore. Donc c'est bizarre, tu vois. Donc soit c'est Talia, soit c'est Ra's al Ghul qui est ressuscité, soit c'est Talia qui est ressuscité aussi, ou soit elle n'est pas morte et elle a fait semblant, ou soit c'est Nissa al Ghul. Je vois pas quelqu'un d'autre. Alors déjà, on voit que c'est un homme, je crois. Ça a l'air d'être Ra's al Ghul, hein, les gars. Ose approcher Ra's al Ghul. Vous l'avez ressuscité beaucoup trop de fois. Il n'y a que les puits de Lazare qui le maintiennent en vie. Il reviendra à la vie. Range ta lame. Nous ne nous battrons pas ici. Mais la guerre va avoir lieu. Les traîtres de la Ligue conspirent pour empêcher la glorieuse résurrection de Ra's al Ghul. Gotham brûlera dans les flammes avant que nous ne laissions les rebelles nuire au maître. Mieux vaut qu'il meure alors. Des guerres pissées avant l'aube. Les rebelles ont trouvé un nouveau puits. Une source plus pure. Un extrait de son essence. Cela nous suffirait. Je ne vous aiderai pas à le ramener. Alors tu seras responsable de cette guerre. Nous te connaissons, détective. Tu ne laisseras pas des innocents mourir. Mais tu ne tueras pas la tête du démon pour empêcher leur perte. Tu feras ce qu'on te demande. Car c'est ce qu'exige ta précieuse moralité. Détective. Aidez-moi pour Talia. Si c'est pour Talia, on n'a pas le choix. Eh. Bon bah du coup c'est bien lui hein. Il est beau gosse hein. Tous ces traîtres mourront. Il est trop stylé. Donc il y a des traîtres aussi, donc il y a quelqu'un qui veut empêcher la résurrection de Ra's al Ghul. Donc ça c'est aussi à noter. Donc est-ce que c'est Nissa al Ghul du coup? Est-ce que je dois... Attends, je dois faire ça. Est-ce que je dois sortir ou pas là? Attends, je comprends pas. Je dois sortir avec la Batmobile mais... Si un nouveau puits de Lazare a été trouvé à Gotham, il faut que je le localise. Bref, je sorte là, faut que je fasse tout le chemin arrière. Monsieur, vous pourriez peut-être prodiguer des soins à Ra's et le livrer aux autorités. Vous savez qu'aucun mur ne le retiendra, Alfred. Il faut vraiment tout le chemin arrière là. Une sentence n'est trop longue. Je vois. Eh bien, que comptez-vous faire, monsieur? Trouver le nouveau puits de Lazare. Évitez qu'il se retrouve entre de mauvaises mains. Comment là du coup? Ok. Un peu chiant pour remonter par contre les gars. Troisième que j'ai cité. Attends. Tu connais pas la troisième que j'ai cité. Donc tu connais Talia, tu connais Ra's. En fait Nissa c'est la sœur de Talia. C'est la fille de Ra's al Ghul. Sa deuxième fille. Bonjour. Ça va? Ok, bon, pour remettre la caméra du coup. Oh, désolé, cette fois c'est chiant, faut que je fasse pause. Alors. Et comment je fais?
Je peux pas continuer. Le nouveau puits de Lazare a été trouvé à Gotham. Il faut que je le localise. Comment je trouve ce puits ? Calibrer les capteurs de la Batmobile pour détecter les particules de Lazare dans les canalisations de la ville. Ça devrait me conduire à la source. Tout de suite, monsieur. Je vous transmets la visualisation en temps réel. Ah, ok. Et pour l'instant, le jeu a pas craché. Pour l'instant. Et ça. Et ça, c'est beau. Ah, nice! Et envoyer une force considérable en réponse. Cible repérée dans le canal. J'avoue, hein, faut pas que je parte trop vite, mais moi je crois pas au karma et à tous ces trucs. Si ça arrive, c'est que ça devait arriver, mais y a pas de karma, de machin. Tire direct sur le rafleur. Le blindage résiste. Batman a détruit un drone. Frappe confirmée. Ouais, ça se passe bien pour l'instant. C'est pas fait toucher une seule fois. Les machines elles sont reloues hein. Trop de monde bas, subit des dégâts. Aïe. En deux salles j'ai perdu tous mes points de vie. Non. Encore un coup, je meurs les gars. C'est eux qui me saoulent le plus, c'est les missiles là. Non, non, je l'ai pas vu, je le voyais pas. On doit tout recommencer. Oh, trop chiant. Dommage pour la voiture. Je l'aurais bien gardée après t'avoir tué. On va tout recommencer du coup. Mais let's go les gars. Ça fait plaisir. Alors refaire du coup. Et envoyer une force considérable en réponse. Il y en a trop cette fois, Batman. On a 48 quoi. Où je dois pas mourir. J'aime ce drone là, tu vois. Cible alpha a touché un Diamondback. Blindage endommagé.
Y'a trop de missiles! Niquez-vous! Quoi? Ah, y'a lui, il a tué. Ah, c'est relou, il nous reste 20, on a la moitié à peine. Ah putain, il m'a touché. On est mort les gars. C'est eux les plus chiants. Non! En bas, hors ligne. Viens fusiller un Twin Rattler. Il en reste 11. On est, je crois qu'on est mort, les gars. Ok, on a réussi. La charge de la bombe est exposée. Avec putain. On peut déclencher une explosion contrôlée. Dites-vous d'où que la Batmobile, moi, elle est pas augmentée. Hein. Elle est toujours niveau 1. De bombe. Personne ne demande un avantage. Disons plutôt que personne ne peut le faire impunément. On va tricher, on va faire ça. Voilà, petite triche. Tiens, Alfred, calibrer les capteurs de la Batmobile voilà. Pour détecter les particules de Lazare. Et là, c'est plus simple, les gars, regardez. Ça devrait me conduire à la source. Tout de suite, monsieur, je vous transmets la visualisation en temps réel. On voyait pas, c'est derrière ma caméra, mais ça me montre la route avec des flèches. Chantier naval. Je vais devoir... C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français. Bienvenue chez Inalocatelli. Eh ben, bienvenue à toi. Et merci du follow. Hop. Hop. Ah ouais, c'est l'apocalypse ici, dis donc. Ça doit être le puits de Lazare. Ah ouais. Il y a des plantes cheloues à côté quand même. Ah, oh, faut que je me cache. Attendez. Désolé. Les raccourcis ne marchent pas, hein, je rappelle, donc on est obligé de te cacher la main. Parti. Nous gardons les lieux au nom de notre nouveau leader. Fin du service.
Ah, je me suis caché pour rien, les gars. En plus, je suis mal caché. Attendez, je reviens. Eh, la console marche pas quand, en fait, le jeu aujourd'hui il bug au niveau. Ah, du coup, bon, là il y a un petit décalage. Attendez. Tu es le top 1 sur ce jeu francophone. Ouais, parce que en fait le pseudo est un peu long, comme j'ai jamais vu le pseudo. Le spectateur, bon, ça va, c'est pas ouf, hein, mais ça va, c'est potable. C'est potable, on va dire. Attendez. Tac. Oh, désolé, c'est tout un micmac, comme on dit. Aujourd'hui, Batman ne veut pas nous aider. Allez, go! Merde. Mais, what the... J'ai déjà dit que j'aimais pas les mecs avec les épées. Avec les couteaux plutôt. Maintenir et pousser. Faut maintenir tout le temps pendant toute l'attaque. Là, je comprends. J'ai jamais compris le couteau hein, dans tous les Batman. Hein. Alors, je te réponds après, Auré. Bon, en bas. Ok, en vrai, faut appuyer une fois. Chaque fois en continu, mais comme je pensais. La tête du démon va tomber. Donc, eux, c'est des ennemis du. De Ra's al Ghul. C'est des traîtres. Moi, j'ai très mal combattu dans ce combat, je suis désolé. Mais trop de couteaux, tue les couteaux. Du coup, je disais. Retourne-toi. Ah, Nissa! J'ai raison! Donne-moi le détonateur. J'ai raison. Nissa. Merci, Bruce. Ra's sait que sa fille combat pour les rebelles. Les rebelles combattent pour moi. Et ce zombie ne sait ni son nom, ni le jour de la semaine. Ni la mort de son autre fille. Je suis désolé pour Talia. Elle était loyale et stupide. Contrairement à moi. Tu vois, tant que le corps de mon père sera rattaché à ces tubes, la guerre fera rage à Gotham. Qu'est-ce que tu veux, Nissa ? Retourne le voir et détruis cette maudite machine. Et laisse ce qui était autrefois mon père enfin mourir. Je ne suis pas un tueur. Il est déjà mort. Mort comme 1000 fois auparavant. Le puits de Lazare l'a ressuscité à chaque fois, mais son état empiré. De plus en plus fou et haineux. Je n'ose imaginer ce qui lui serait arrivé si... C'était tombé entre les mains de ses fidèles. Lorsqu'il s'éteindra, la Ligue sera à moi. Et plus aucun sang innocent ne sera versé. Les assassins quitteront Gotham pour de bon. Comment te faire confiance ? Je le jure sur la tombe de celle qu'on aimait tant, sur la tombe de ma sœur. Je gagnerai cette guerre, Chevalier Noir. À toi de décider quand elle prendra fin. Ah non, Talia est 100 fois mieux que elle. Hein. Je le dis, moi. Allez, c'est là le dénouement. Désolé, j'ai pas pu cacher ma cam pendant la caméra. Enfin, pendant la caméra. Oh là là. Pardon, je dis vague. Je pouvais pas cacher ma cam pendant la cinématique, pardon. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la scène bug aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Donc là, je vais sans doute cacher ma cam quand on sera... Quand on sera
dans l'hôpital avec Ra's al Ghul. D'avance, comme ça au moins on n'aura pas de soucis. Comme j'ai fait avec la fin du jeu. Ok, let's go. Ah, le jeu recommence à bugger, je crois, les potes. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Alors, on va finir Ra's. Je retourne au repère de Ra's. Il faut en finir, d'une manière ou d'une autre. En effet, monsieur. Allez plus haut, merci. Allez, let's go. Alors. Son Horas, comme dirait Super Zulux. Parfait. Et je décolle. J'ai pas laissé le temps de répondre à Batman. Alors attendez, je vais me cacher. Encore une fois. Voilà. D'avance, comme ça, on est tranquille, les potes. Allez. Ouais, soyez contents comme Discord. Monsieur, si je puis me permettre, je souhaiterais vous rappeler que, étant donné la longévité surnaturelle de Ra's et son état actuel de prolongement purement artificiel, sans parler du fait qu'il a déjà, disons par essence, connu la mort, il ne serait pas insensé de... J'ai promis de ne jamais tuer. C'est un extrémiste dangereux et impitoyable. S'il regagne toute sa force, qui sait quels seront ses plans ou ses prochaines cibles? Pensez-vous qu'empêcher une terrible résurrection équivaille vraiment à un homicide? Que feriez-vous, Alfred? Je l'ignore, monsieur, mais je vous soutiendrai, quoi qu'il advienne. Donc est-ce qu'on va avoir un choix entre sauver Ra's ou le tuer? Sans doute. Les loyalistes ont établi des défenses contre les attaques rebelles. D'ailleurs, il y a quoi? Oh, il y a un crochet, là. Je ne peux pas faire ça. Attends. Je ne peux pas encore faire ça. D'accord, tu veux pas. Ah, mais c'est cassé en fait. Je me dis que tu peux pas faire ça. Ah, faut jouer en haut. Là, tu peux là. Pourquoi elle a bloqué l'ascenseur? Alors, c'est bizarre déjà. Alors je sais pas ce que je vais faire encore, si je sauve Ra's ou pas. Après sans Ra's c'est mieux au moins. Oh putain. Mais j'ai bien vu que je pouvais pas y aller mais. Mais j'ai compris. Mais je veux juste voir si je peux tyrolienner. Alors, il faudrait désactiver l'électricité. Ok, bah c'est là. Elle veut pas que je vienne. Hein. Et moi, rien que pour ça, je peux changer d'avis. Hein. Je pense que c'est elle qui a fait ça. Si c'est Ra's, bon, encore pire, mais... Ah ouais, mais attendez. On a assez perdu de temps comme ça. Rends-le-nous. Tout... Alors. Soit je soigne Ra's, soit je le tue. Mais. Depuis le début du jeu, j'ai sauvé tout le monde. Ok? Même le pingouin dans la vision du Joker. Ok? Les autres, je pouvais pas. Donc est-ce que je continue dans ma philosophie de sauver tout le monde? Somebody save me? Ou est-ce que je suis une petite salope? Comme Ivar the Boneless, et je tue Ra's.
Et moi, je veux le soigner parce que je suis un homme bon. Je fais quoi? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous auriez tué, vous, tous, tout le monde? Ah, mais c'est contre l'éthique de Batman de faire ça. Ouais, je comprends qu'il est revenu à la vie trop de fois, mais... Il souffre, ouais, mais il s'en fout de souffrir. Hein. Et... Moi, je veux le sauver. Hein. Dommage, tu vois, qu'on peut pas sauvegarder. Là, je sauvegarderai. Je testerai les deux options pour voir ce que ça fait. Je peux pas. Je dois choisir. Ah bah, si Lex a dit que je le tue... Je suis obligé de le soigner du coup. Désolé. Ce n'est pas pour vous que je fais ça. Je le fais pour Talia. N'oubliez pas que je le fais pour Talia. Stowell, what the fuck? Première fois qu'on fait ça? Je ne suis pas un tueur. Et tu penses que comme ça, tu n'as pas de sang sur les mains? Nissa... Ma fille... Traîtresse... Il reste peut-être des résidus de Lazare. Non. Pas comme lui. Tu aurais dû le laisser mourir. Race, tu des gens pour sa cause. Je ne ferai jamais ça. Tu es idiot et têtu. C'est pour ça qu'elle t'aimait. Non, Marion Cotillard, ne meurs pas! Elle est morte rapidement, hein. Je m'occuperai des démarches nécessaires, monsieur. Merci. Si vous permettez, les rapports de police laissent entendre que la faction rebelle se retire de Gotham. De son côté, Raz mettra du temps à récupérer. La guerre est évitée. Bon, je sais pas si c'était la meilleure décision, les gars, mais j'ai choisi de faire la décision de Batman, pas la mienne. Ok? J'ai fait la décision de Batman et pas ce que j'aurais choisi moi.